Chers amis, avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Notre père, notre Dieu, encore une fois, merci, merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole de vie et de vérité. Nous sommes très heureux chaque fois que nous sommes en présence de ta parole parce que nous savons que c'est pas seulement que tu te révèles également et que tu veux nous apprendre tes plans pour nous. Merci donc de bénir ce moment, de bénir ta parole entre nos mains au nom de Jésus. Amen, amen. Chers amis, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à ce moment de réflexion, de joie, de partage et de bonheur. Et merci au Seigneur d'être présent et il est heureux de vous avoir avec lui. Soyez bénis donc au nom de Jésus. Notre sujet du jour, Jésus, notre avocat dans le jugement. Nous allons lire Hébreu chapitre 10, verset 9 à 14. Il est dit ensuite, Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, verset 12 Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Une question. Quelle différence ce passage révèle-t-il entre le ministère du sacrificateur dans le sanctuaire terrestre et celui de Jésus dans le sanctuaire céleste Afin de trouver cette différence entre ces passages, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur t'assiste dans ta démarche de réflexion. Mes amis, Christ est mort sur la croix en tant que sacrifice parfait pour le péché. Une fois pour toutes. Son ministère sacerdotal dans le sanctuaire céleste nous purifie, nous sanctifie. Maintenant qu'il est entré dans le lieu très saint, il joue le rôle d'avocat en notre faveur dans le jugement. Nous lisons 1 Jean chapitre 2 verset 1 Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Lorsqu'un croyant tombe dans le péché, Dieu lui pardonne. Mais ce pardon ne doit Jamais être une excuse pour continuer à vivre comme bon lui semble, car le péché est une affaire extrêmement grave qui conduit chaque être humain devant la cause suprême de Dieu. Le mot avocat dans Jean 16, verset 7, c'est le même mot grec qui est traduit par consolateur, défenseur ou conseiller. Il signifie littéralement appeler aux côtés d'eux et peut être traduit par aide. Le concept moderne d'avocat de la défense est probablement celui qui s'approcherait le plus de la réalité signifiée. Bien que Satan accuse sans cesse les croyants devant le Père à cause de leurs péchés, Apocalypse 12, verset 10, grâce au ministère de souverain sacrificateur exercé par Jésus, nous sommes assurés d'obtenir non seulement de la compassion, mais même l'acquittement. Alléluia. Remarquons que notre avocat est Jésus-Christ le Juste. Il est bon d'avoir un défenseur juste. Quand Satan porte des accusations contre un croyant, le Seigneur Jésus peut se réclamer de son œuvre accomplie au Calvaire et affirmer ⁇ Ce péché est apporté sur mon compte. ⁇ Alléluia. Lisons Hébreu 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Grâce à son sacrifice, mes amis, et à sa médiation, le péché a été éliminé et Jésus reviendra pour ceux qui auront aimé son avènement. Tous les êtres humains doivent mourir. C'est Dieu qui décide du moment et nul ne peut échapper à ce rendez-vous incontournable. Cependant, le pire, ce n'est pas la mort, mais ce qui la suit, c'est-à-dire le jugement à cause des péchés qui sont à notre charge. Or, il n'y a que deux solutions. Soit ils sont placés sur ma tête, comptez contre moi et je dois en payer la dette, soit ils sont placés sur le Christ et c'est lui qui les a expiés. Il n'existe pas d'autre option. Si Jésus est mort comme tous les hommes, c'est parce qu'il était chargé de péché. Seulement, ce n'était pas les siens, car il n'a jamais commis la moindre faute. Sur la croix, tous les péchés du monde ont été placés sur ses épaules, pour ainsi dire et ont été jugés. Jésus a subi le châtiment que vous et moi méritions. À la fin des temps, Jésus réapparaîtra. Ce sera sa seconde venue. Mais il ne viendra pas pour régler à nouveau le problème du péché, car cela a déjà été fait une fois pour toutes sur la croix. Il va revenir, entre autres, pour apporter le salut complet promis à ceux qui l'attendent et qui comptent sur lui. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 8 déclare Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. L'apôtre sait qu'il va recevoir la couronne de justice que le Seigneur lui a réservée. Ce mot veut dire garder avec soin ou entreposer en lieu sûr. Paul ne sera pas le seul à recevoir la couronne de justice, car il dit Le Seigneur. Le juste juge me la donnera, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son apparition. Il s'agit de ceux qui aiment Jésus-Christ et qui désirent le voir prendre dans cet univers la place qui lui revient de droit en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Lisons Hébreux 6, 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédech. Maintenant, une question. Pourquoi Jésus nous invite-t-il à le suivre et que découvrons-nous en le suivant Pour t'accompagner dans ta réflexion, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur soit avec toi afin de t'apporter la bonne réponse. Dans le livre traduit des siècles, page 430, nous lisons L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Depuis sa résurrection, Jésus achève dans le ciel l'œuvre commencée par lui sur la croix. Nous devons par la foi aller auprès de lui au-delà du voile, où il est entré pour nous comme précurseur. Là se reflète la lumière du calvaire. Là nous acquérons une plus claire intelligence du mystère de la rédemption. Nous comprenons que c'est à un prix infini que le ciel a opéré le salut de l'homme, et que le sacrifice consenti est à la hauteur des plus dures exigences de la loi transgressée. Jésus nous a frayé la voie qui mène au trône du Père. Désormais, grâce à sa médiation, tout désir sincère exprimé par ceux qui vont à lui par la foi peut être présenté devant Dieu. Amen. Fin de citation. Maintenant, une question à nouveau. Quel est le lien entre la mort de Christ sur la croix? Et son intercession dans le sanctuaire céleste, et pourquoi le jugement est-il si nécessaire au plan du salut? Que le Seigneur, de sa grâce et son amour, met à ta disposition son esprit afin de t'accompagner dans ta réflexion. En conclusion, le plan du salut est un plan complet pour résoudre le grand conflit et sauver cette planète de l'emprise de Satan. La vie de Jésus révèle l'amour de Dieu à un monde dans le besoin et à un univers observateur. Et sa mort révèle l'atrocité du péché et donne le salut à toute l'humanité. Son intercession dans le sanctuaire céleste procure les bienfaits de l'expiation à chaque personne qui tend la main par la foi pour les recevoir. Alléluia. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci, merci, merci. Nous voyons encore aujourd'hui que ton Fils Jésus-Christ, son œuvre continue pour nous, car il est près de toi et il est en train de te pour nous. Et chaque fois que nous nous présentons devant ton trône de grâce et de gloire, c'est par lui que tu nous acceptes. Et tu nous vois à travers les yeux de ton Fils, Jésus. Et aussi c'est par lui que tu pardonnes nos péchés. C'est par lui aussi que tu reçois nos prières. Alors merci pour cette œuvre que ton Fils fait pour nous en ce moment même. Père éternel, cette leçon nous rassure que tu nous aimes. Et tu veux réellement notre salut, notre vie éternelle. Et que tu nous dis qu'il va nous arriver de pécher. Mais quand nous péchons, il ne faut pas tomber dans la culpabilité et laisser Satan prendre le pouvoir sur nous. Tu nous dis de venir à toi, Père éternel, par Jésus. Et par Jésus, en Jésus, tu nous acceptes et tu pardonnes nos fautes. Tu nous rétablis et tu nous vois comme des personnes justes. Alors que tu nourris cette foi en nous que nous puissions pas nous laisser manipuler par l'ennemi mais que nous puissions aller à toi car cette œuvre que tu mènes pour nous nous donne aussi la joie de faire en sorte que le péché soit un accident dans nos vies oh oui père éternel que tu continues je répète encore une fois de plus l'œuvre que tu as commencée en nous que tu l'achèves au nom de Jésus merci de nous bénir de nous faire du bien je te prie en son nom et pour ta gloire amen